mardi. Donc ça c'est fait. Là il reste 3 jours, 9 heures. Normalement j'ai mon verre. Ici, il n'y a rien à... Ah si. Il pleut encore, il n'y a pas besoin d'arroser. Là, de toute façon, il n'y a rien de prêt. Là non plus. Ah oui, mais il pleut, mais ils vont pas me faire de... Ah, je vais avoir du maïs. Je sais pas combien il m'en fallait. Ah, il m'en manque un. Super. Super. Je mets quoi ici? Si je mettais ça, ah, des mauvaises herbes, il y en a, mais du chardon, j'en vois pas. Alors, un mouton, deux moutons. Est-ce qu'il a déjà terminé son boulot, lui? Ah, le troisième, il est là. Ça, c'est pas mal. Non, pas toi. Ouais, c'est bon, le lait a été récolté. Et il me manque une vache. Donc je pense que je peux aller faire les poules aussi maintenant. Ah oui, elles ont mangé, c'est bon. J'en suis à combien? 1, 2, 3, 4. Il m'en manque deux. Toi, je peux pas? Ah non, c'est pas la bonne. Ah, voilà.
Ah, j'ai l'impression qu'il m'en manque une, mais je vois pas laquelle. Celle-là. Ça, c'est fait. Alors, go. C'est bon, je serai à 10h. Ouais. Je risque d'être en avance maintenant. Bah, je peux te parler ici déjà. L'autre jour, Natalia était sur la plage et j'ai rejoint le rivage en prenant une énorme vague. Mais je sais pas si elle m'a vu. Ils vont tous être fous maintenant. Je les ai tous? Non. J'ai quelque chose qui devrait te faire plaisir. Oh, c'est incroyable ça. Exactement le même goût. Je me sens tellement mieux. Je ne sais pas comment te remercier, Tara. J'aurais préféré du chardon. Avant, je détestais me sentir pris au piège entre deux mondes. Plus je passe de temps ici, plus je m'aperçois que la dualité fait partie de la vie. Je sais que tu es de bonne humeur quand je te vois chantonner depuis l'extérieur de la boutique. Qu'est-ce que tu veux? J'ai plein de raisons d'être de bonne humeur. J'ai récupéré mon verre? Oui, j'imagine quand même. Tiens, toi, il y a longtemps que je t'ai vu. Ah bah. Et toujours pas de d'ananas. Papa a appelé l'autre jour, il a demandé à parler à maman. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais elle riait beaucoup. Toi, t'as rien à me vendre d'intéressant. Maïs, t'en as pas. C'est pas la saison. Il n'y a personne ici. Toi, t'as rien à me dire. T'es ouvert aujourd'hui, mais à 11h. Ouais. Eh bien, je repasserai. Me débarrasser un peu du poisson. C'est moi ou Natalia n'a pas l'air dans son assiette? Je vais lui dire de venir me voir par mesure de précaution. Bon, non, c'est pas grave ce qu'elle a. Pas s'inquiéter. Sophia commence à s'adoucir avec moi depuis que je fréquente son restaurant. Combien de parts de tarte faut-il pour renouer une amitié? Beaucoup. Je reviens te voir après. Shelby. Tu pourrais pas en avoir plein?
Il m'en faut encore 4. Je vais peut-être aller au bar ce soir. Il y a longtemps que j'y étais. Donc là, normalement, c'est bon. Construire. I'll get right to work on your greenhouse. Je vais m'occuper de ta serre. On va agrandir tout ça. Cela devrait prendre qu'une journée ou deux. Vas-y. Ah oui, c'est la lettre. Je peux pas. Va construire tout ça. Donc tu vivais dans une ville vraiment cool et genre tu as choisi de déménager ici. Ouais, drôle d'idée. Mes parents n'ont pas mon adresse, mais parfois j'ai quand même la peur de les retrouver sur le pas de ma porte. Étrange. Toi, je peux rien faire pour l'instant. Toi, t'as besoin de rien. Toi non plus. Toi, t'es fermé. 11h. Viens là. Je voulais pas le vendre ça. Tant pis. J'en ai qu'une. Poulpe, je vais garder. Non, homard, je garde. Je sais plus pourquoi. Ça, je garde. Ver de terre, je garde. Et sauterelle, je garde. Bon, moi, je me suis vidé un peu les poches. La serre est en construction. Donc si ça fait bien comme... Tara, oh, there you are. Tara. Did Perry have anything Est-ce que Perry that might avait help? Quelque chose pour m'aider? Hello. Bonjour. You're looking so lucky. Tu es ravissante aujourd'hui, Natalia. Here, je t'ai apporté quelques scones. Gee, thanks. Eh bien, merci. Do you see what I mean? Tu vois, on me sollicite sans arrêt. Impossible d'avancer avec le boulot. Ne t'en fais pas, je vais trouver une solution. Good. Parfait, dépêche-toi. Et je vais aller voir, mais je crois qu'elle n'est pas ouverte le mardi. Bon, je vais continuer à faire un peu de verre. Même si je pense que maintenant... ça, je peux toujours pas. Non, il m'en manque deux chaque. Ça devrait pousser. Ici. Deux jours. 4 heures. Ouais, de toute façon, j'ai plus besoin. Il faut qu'il arrête de pleuvoir. Moi, j'ai besoin de mes abeilles. Ah,
J'adore prendre soin des bébés dragons. Ils me feulent dessus. Alors je fais pareil. On s'amuse bien. Wesley a repris forme humaine, à ce que je vois. Un jour, il saura apprécier la chance qu'il a de faire partie du peuple des fées, plutôt que de vouloir être humain. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Wesley, je l'ai vu. Zephyr, j'ai pas besoin. Bon, ça va être embêtant aujourd'hui. Heureusement qu'on a mis la... Là, comment... Oh, un chardron. Pas y en avoir d'autres. Plutôt que me donner de l'argent, je voudrais du chardron. Bon, ça m'en fait trois, je vais pouvoir faire une lettre déjà. Une lettre de fleurs. Là, il n'y a rien. Et je vais quand même monter vite fait au truc pour être sûr. Des fois qu'il y en ait un. Même si j'y crois pas. Ici, il y a quoi ? Rien. Tant pis. Je vais mettre en route... Zephyr, peut-être falloir que je refasse des... Ah, tiens, toi. T'es qui, toi? Ah, caillou. Hey, Miney. It's off to work you go. Minebot, au boulot. Là. Donc c'est bien ça, il me faut deux lettres, deux papiers. Et en voilà un de fait, il m'en manque un. Je vais peut-être aller vendre un peu de... Là, on va vendre un peu. Ça, j'en ai plein. Mais... Ah, voilà. Ah mais t'en achètes pas? T'achètes que ça et ça? Bon attends, ça je vais t'en vendre... Non pas tout. N'importe quoi. J'en récupère plein de pierres.
Là, je vais t'en vendre 90. Là, je vais t'en vendre 80. Zut, j'arrive pas à me mettre. Les lingots d'or, ça t'intéresse pas? Dommage. Bon, bah, je pense que. On va aller se coucher, on va avancer les journées un peu. Il reste combien de temps? 6 jours. Allez, au lit. Am I ready for bed? Oui.